السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي المتابعين في درس جديد من كتاب اللغة الفرنسية pour communiquer en français. وعلى بركة الله سنبدأ. ودرسنا اليوم هو activity orale. Raconte un voyage à l'aéroport. L'avion vient d'atterrir à l'aéroport de Dakar. Ahmed, un garçon marocain de 6 ans, se présente devant une policière sénégalaise pour le contrôle des passeports. سأعيد النص مع الشرح. Raconte un voyage, يعني أن نحكي عن سفر, à l'aéroport في المطار. L'avion vient d'atterrir à l'aéroport de Dakar. يعني حتى الطائرة في مطار دكار. ودكار هي عاصمة السنغال. Ahmed, un garçon marocain de 6 ans. يعني Ahmed صبي مغربي عمره 16 سنة. Se présente devant une policière sénégalaise. يقدم نفسه لشرطية سنغالية. Pour le contrôle du passeport. لمراقبة جواز السفر. Avant l'écoute. J'observe et je découvre. Je lis le texte. لقد قرأنا النص. J'observe l'image et je réponds aux questions. يعني ألاحظ الصورة وأجيب على هذه الأسئلة. Où sommes-nous? Oui, nous sommes à l'aéroport. Comment s'appelle le jeune garçon? Oui, il s'appelle Ahmed. Dans quelle ville se trouve-t-elle? Oui, elle se trouve à Dakar. Il est في Dakar, في مدينة دكار. À qui parle-t-elle? Elle parle à une policière. يتحدث إلى شرطية. Pourquoi à ton avis? Il lui demande son passeport. يعني تطلب منه جواز السفر. وهذه الأجوبة هنا لكي تكون واضحة. Avant l'écoute, nous sommes à l'aéroport. Elle se trouve à Dakar. Le jeune garçon s'appelle Ahmed. Elle parle à une policière. Elle lui demande son passeport. سنقرأ الحوار الذي جرى بين الشرطية وأحمد. Le dialogue. La policière. Bonjour, ton passeport, mon garçon. Ahmed. Le voilà, madame. La policière. Tu voyages seul? Ahmed. Oui, madame. Je viens passer une semaine chez mon ami Ibrahima. Elle m'attend à la sortie. La policière. Je sais que tu vas te promener au centre-ville, mais n'oublie pas d'aller sur les deux gorées. Ahmed, merci madame et bonne journée. بعد قراءتنا للحوار سنجيب على أسئلة الحوار يعني pendant l'écoute. J'écoute le dialogue. لقد قرأنا الحوار وسمعناه. Que demande la policière à Ahmed? يعني ماذا طلبت الشرطية من أحمد? Oui, elle lui demande son passeport. يعني طلبت منه جواز السفر. Chez qui Ahmed va-t-il passer une semaine? Oui, elle va passer une semaine chez son ami Ibrahima. سيقضي أسبوعه مع صديقه إبراهيم. Que conseille la policière à Ahmed? ماذا نصحته الشرطية السنغالية? Elle lui conseille d'aller sur l'île de Gorée. يعني نصحته بأن يذهب إلى جزيرة غوري. وهذه الأجوبة كتبتها هنا لكي تكون واضحة. Pendant l'écoute, elle lui demande son passeport. Elle va passer une semaine chez son ami Ibrahima. Elle lui conseille d'aller sur l'île de Gorée. سننتقل إلى صفحة الموالية. Je retiens. Dakar est la capitale du Sénégal. يعني Dakar عاصمة لدولة السنغال. L'avion atterrit et se pose sur le sol. يعني الطائرة حطت في الأرض. La policière contrôle les passeports. الشرطية تراقب جواز السفر. Le douanier vérifie les bagages. يعني ضابط الجمارك يتحقق من الحقائب. Je m'entraîne. J'écoute le dialogue. لقد سمعنا الحوار وقرأناه. Je le mémorise et je le joue avec un camarade. يعني سأحفظ الحوار وسألعبه مع صديقي. Après l'écoute, يعني بعد الاستماع, je décris à mon tour un lieu touristique visité par Ahmed au Sénégal. يعني سأتحدث عن معلمة تاريخية زارها أحمد في السنغال.
وانا اخترت كما علامة تاريخية La Grande Mosquée de Dakar. La Grande Mosquée de Dakar est l'un des édifices religieux les plus importants de Dakar. Elle a été construite par des architectes français et marocains. La hauteur du minaret est de 67 mètres et elle a été décorée de sculptures délicates et magnifiques. سأعيد قراءة النص مع الشرح. La Grande Mosquée de Dakar, يعني أكبر مسجد في داكار. La Grande Mosquée de Dakar est l'un des édifices religieux les plus importants de Dakar. يعني يعد مسجد الكبير في داكار من أهم المباني الدينية المعروفة هناك. Il a été construit par des architectes français et marocains. يعني تم إنشاؤه من طرف مهندسين معماريين فرنسيين ومغاربة. La hauteur du minaret est de 67 mètres. يعني يصل ارتفاع المئذنة إلى 67 متر. Et il est décoré de sculptures délicates et magnifiques. وتم تزيينها بنقوش دقيقة ورائعة. الحمد لله انتهينا. إن شاء الله سنلتقي في صفحات أخرى. دمتم في رعاية الله وحفظه.